Bonjour, avant-dernière lecture de Sweet Sixteen, mais certainement pas l'avant-dernier confit de lecture. Êtes-vous confortablement installé? Nos chats aussi, alors allons-y. La porte des toilettes se referma. Molly n'était pas tout à fait convaincue de la sincérité de la petite Blanche. Déjà, Grace Anderson était coquette et populaire. Toujours fourrée dans les toilettes à se maquiller ou se recoiffer. Élue reine du bal de fin d'année. En résumé, rien à voir avec l'idée qu'elle se faisait des progressistes. Et par-dessus tout, elle était amie avec Brooke Sanders et Dorothy Mitchell. Même si, depuis quelque temps, elle avait remarqué qu'elle semblait légèrement froide. D'un autre côté, ce qu'elle avait raconté lui paraissait plus que plausible. Le fait que Conrad soit particulièrement visé était très crédible. S'il lui arrivait quelque chose, Molly ne pourrait pas se le pardonner. Et si cela se produisait dans la journée? Si, comme elle, on l'attendait dans les toilettes? Certains n'avaient peur de rien, habitués à pouvoir agir contre les Noirs en toute impunité. Molly regarda sa montre. Il lui restait 10 minutes avant le début du cours d'histoire, ce qui était suffisant pour réussir à lui parler, si elle faisait vite. Elle sortit des toilettes et du regard chercha immédiatement la protection de Danny. Aucune trace de lui. Mince, pensa-t-elle. Il n'a pas dû me voir entrer ici quand Grace Anderson m'a attrapée. Où est-ce qu'il est? Rapidement, elle évalua les différents scénarios qui s'offraient à elle. Mais le temps pressait. Elle se résolut à aller trouver Conrad sur le champ. Elle n'en avait pas pour longtemps. Molly croisa un groupe de filles à l'air hostile. Angoissée à la pensée que c'était la première fois depuis longtemps qu'elle se retrouvait sans le soldat qui la protégeait, elle se mit à courir. Sur son passage, les insultes pleuvaient, mais Molly remarqua avec incrédulité que personne ne semblait tenter de lui sauter dessus. Peut-être que finalement, il s'habituait. 3 minutes plus tard, Molly arrivait devant la classe de Conrad Bishop quand un pied la fit trébucher. Elle s'étala sur le sol carrelé. Elle releva la tête. Un étudiant hilar la toisait. Redevenant sérieux, il lui cracha. « Qu'est-ce que tu fous là ? Tu crois que l'autre dégénéré de Jim Crow ne nous suffit pas ?» Un de ses amis s'était approché et lui lança un coup de pied dans les côtes. « Alors, en fais-moi la maligne, quand il n'y a pas de soldats ?»« Dégage d'ici, négresse !» Molly se recroquevilla de douleur. « Quand même, si Dieu était à ses côtés, pourquoi s'acharnait-il à lui rendre la tâche si compliquée ?» Conrad Bishop accourut vers elle et l'aida à se relever, tandis que le soldat du jeune homme faisait fuir les deux garçons. Molly profita de ce moment de répit pour formuler à Conrad ses mises en garde. Celui-ci la remercia d'un petit signe de tête. « Merci, c'est sympa. Tu feras attention, le matin et le soir quand tu descends de voiture, le temps que tu rejoignes ton soldat. » Conrad haussa les épaules. « Tu sais, soldat ou pas, s'ils veulent vraiment me casser la gueule, ils y arriveront. Je sais bien que je suis une cible particulière. Tate m'a déjà mise en garde. Ils sont prêts à tout pour ne pas avoir un nègre diplômé à la fin de l'année. » Il lui mit la main sur l'épaule. « Fais attention aussi. S'il ne me coince pas, il se pourrait très bien qu'il se rabatte sur l'un d'entre nous. Ça ferait toujours un de moins. » 10 jours plus tard, Madeleine Stanford était violemment poussée dans l'escalier. La chute fut gravissime et la jeune fille resta plusieurs jours dans le coma. La presse s'empara de la nouvelle, détaillant la gravité des blessures. Information immédiatement relayée dans d'autres états par diverses associations. À reculons, par crainte du qu'en dira-t-on, le conseil d'administration se fendit d'une réaction. L'étudiant qui avait commis les faits, difficile à retrouver puisque aucun élève n'avait voulu témoigner, avait été suspendu pour quelques jours. Molly ne sut pas si elle devait voir dans la chute de Madeleine une simple coïncidence. Quoi qu'il en soit, elle eut soudain envie de croire en la sincérité de la fille Blanche. Quand Madeleine fut sortie du coma, Molly prit son courage à deux mains et profita de ce que personne ne les voyait pour aller remercier Grace Anderson pour avoir essayé. La Blanche lui avait souri, désolée de ce qui était arrivé. Dans son regard, Molly n'avait lu aucun calcul, aucune animosité. Elles avaient échangé quelques mots d'égal à égal. De crainte de paraître ridicule, Molly n'avait pas osé lui dire à quel point ce simple fait lui donnait envie d'avancer.
À 7 heures de la journée, le Roof Garden Café grouillait d'étudiants. La nourriture n'y était pas foncièrement meilleure qu'à la cafétéria du lycée, mais l'ambiance était branchée et en faisait un lieu de rendez-vous privilégié de tous ceux qui se souciaient de leur popularité. Grace avait pris l'habitude d'y retrouver Sherwood et ses amis pour parler de tout et de rien autour de sandwichs et autres snacks sans âme préparés à la hâte. Grace fraya un chemin entre les tables et les banquettes en simili-cuir bleu, saluant quelques lycéens au passage. Une jeune fille un peu boulotte laissa échapper son verre de cola, qui se brisa juste devant les pieds de Grace. Cette dernière lui jeta un regard ulcéré. Il s'en était fallu de peu que sa jupe soit totalement ruinée. Dans un coin de la salle, Sherwood patientait, en tentant de battre son record personnel au flipper. Quand il eut aperçu celle qui l'attendait, il cessa immédiatement sa partie, ce qui irrita Grace au plus haut point. Elle détestait les hommes qui se comportaient comme des petits chiens. Il accueillit par un baiser mouillé. « Hello, sweetie !»« Salut, Sherwood !» répondit Grace d'un ton refroidissant. Mais ce n'était pas de sa faute. Elle avait l'impression qu'une carpe venait de l'embrasser. Elle sourit à Sherwood en essayant de se concentrer sur ses traits masculins et délicats. Pourquoi diable l'agaçait-il autant depuis quelques jours ? « Tu prends quelque chose ?» Grace opina du chef et balaya la salle du regard à la recherche d'une table inoccupée. Quelques minutes plus tard, quand ils furent assis, une serveuse vint prendre la commande. Le choix de Grace se porta sur un club sandwich et une menthe à l'eau, tandis que Sherwood choisissait son habituel sandwich confiture beurre de cacahuète. La conversation démarra sur les derniers potins. Est-ce que Grace était au courant qu'une étudiante de dernière année avait tenté de flirter avec un professeur de chimie pendant le bal de fin d'année ? En temps normal, Grace serait délectée de ce genre d'informations. Mais elle écoutait la voix de Sherwood sans vraiment s'intéresser à ce qu'il disait. Elle se demandait comment il allait réagir quand elle lui annoncerait qu'elle ne voulait plus le fréquenter. Pitié, pas de scandale. Elle n'avait aucune envie qu'il se donne en spectacle au milieu de la salle. Sherwood avait changé de sujet. « Franchement, je ne comprends pas comment le conseil d'administration a pu laisser faire ça. Hmm, tu disais ? C'est une négresse de Sincerity qui s'est fait réintégrer. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête du principal ? Ma mère est en train de... » Grace lui coupa la parole. « Écoute, Sherwood, j'ai quelque chose à te dire. » La serveuse les interrompit, posant les plats sur la table. « Et voilà, un club et un peanut butter. $2.50. » Sherwood sortit les billets sans rien dire. Quand la serveuse eut rendu la monnaie, il murmura. « J'ai l'impression que je dois m'inquiéter là. J'ai raison. » Grace agita la paille dans le sirop pour que la menthe se mêle à l'eau. Elle lui jeta un regard approbateur. « Je suis désolée. » Sherwood continua. « Mais pourquoi ? On est bien pourtant tous les deux. Tout le monde nous envie. On est le plus beau couple du lycée. » Grace repoussa son verre en répétant. « Je suis désolée, Sherwood. Ce n'est pas contre toi, c'est... » Elle se tut. Elle n'avait aucune envie de s'abaisser à lui offrir d'affligeants clichés. Si au moins c'était lui qui avait poussé Madeleine dans l'escalier, elle aurait pu lui expliquer qu'elle détestait la violence. Mais non, même si elle le soupçonnait fortement d'y avoir été mêlée et de ne pas avoir abandonné le complot contre Conrad Bishop, elle ne pouvait pas l'accuser sans preuve. Sherwood attrapa son sandwich et tourna les talons sans la regarder. « Et ben voilà, c'est fait, » pensa Grace en avalant une gorgée du liquide sucré. 18 h. Les cours étaient terminés. Parmi le flot d'étudiants qui se dirigeaient vers la sortie du lycée, Grace aperçut Molly Costello. Aux côtés de son soldat, elle avançait imperturbable, tandis que derrière elle, un étudiant de première année la suivait en imitant la démarche d'un singe. Dieu, que c'était puéril et lassant. Grace pressa le pas pour se retrouver à la hauteur de Molly. Elle lui sourit et lui adressa un petit signe de tête encourageant. « À demain, Molly !» lança-t-elle bien fort, avant de la dépasser et de marcher vers la sortie, le menton levé. Ce n'était pas la première fois qu'elle lui montrait des signes manifestes de soutien. La semaine précédente, elle avait même prévenu Molly qu'on avait recouvert sa chaise de beurre de cacahuète, parsemée de verres brisés. En entrant dans la classe, Molly avait choisi une autre place. Grace était délectée de la découverte d'Anton qui croyait avoir si bien préparé sa farce. Les autres pouvaient bien penser ce qu'ils voulaient. Désormais, elle s'en fichait éperdument. Dans moins de 2 mois, l'année scolaire serait terminée et, pour la suite, elle avait bien l'intention de débarrasser le plancher. Hors de question de continuer à étudier au lycée central. Elle s'y sentait de plus en plus isolée. Même Judy l'avait laissée tomber, préférant se rallier à Brooke qu'elle suivait partout comme à la quai.
Quel manque de personnalité. Une seule chose ennuyait Grace. Maintenant qu'elle était en froid avec Brooke, Dorothy et Judy, elle n'aurait pas la joie de leur en mettre plein la vue à la fête qu'elle donnerait pendant l'été pour ses Sweet Sixteen. Grace écoutait la petite musique de ses bottines frappant le trottoir. Elle avait toujours aimé les chaussures qui faisaient du bruit, et cette paire émettait le claquement parfait. Elle plongea ses mains dans les poches de sa pèlerine. En ce mois de mars, il faisait encore froid, mais les températures commençaient à remonter. Encore quelques semaines, et elle pourrait porter de jolies robes légères. Soudain, Grace eut la désagréable sensation d'être observée. Elle se retourna. Tout semblait normal. Sur le trottoir d'en face, une femme qui promenait un chien obèse tourna à l'angle de la rue. Une voiture la dépassa, poussive. Grace reprit sa marche sur quelques mètres. Ses pas résonnaient étrangement. Trop étrangement pour qu'il ne s'agisse que des siens, non? Et si c'était Sherwood? Depuis qu'elle l'avait quitté, il ne lui avait même pas adressé la parole. Elle se retourna à nouveau. Rien. Pénombre, lumière de lampadaire. Peut-être qu'elle se faisait des idées. « Il ne peut rien m'arriver ici, » murmura-t-elle, pour se donner du courage. « Il y a toujours des voitures qui circulent. Personne ne serait assez fou pour agresser quelqu'un. » Elle n'était plus très loin du parking où l'attendait son père. Elle avait hâte de retrouver la chaleur de l'habitacle, même s'il avait grillé 3 cigarettes en l'attendant, et qu'elle devrait se relâcher les cheveux qui empesteraient la fumée. Tout se passa très vite. Grace se sentit tirée par le manteau, puis soulevée par des bras puissants. Elle tenta de hurler, mais son cri resta coincé au fond de sa gorge. Emportée par un géant, elle battait désespérément la nuit noire de ses bottines aux 6 jolis petits claquements. Le colosse la planta dans une ruelle étroite, dans laquelle régnait une révoltante odeur d'urine. Tandis qu'il lui maintenait les bras tordus derrière le dos, elle sentit d'autres mains la bâillonner fermement. Elle tenta à nouveau de se débattre, ce qui était totalement et ridiculement inutile. Une lumière aveuglante lui déchira la cornée. Une grosse lampe torche braquait son œil inquisiteur sur elle. Derrière la lumière, 2 silhouettes se découpaient dans toute l'horreur de leur long masque blanc. Grace eut la nausée. Le clan. Et dire qu'elle avait pensé que c'était ce pauvre Sherwood qui la suivait. On était loin de la vengeance d'un jeune garçon éconduit. Dans un éclair de lucidité qui l'amusa presque, elle se demanda s'il était possible de vomir tout en étant bâillonnée. Une première claque interrompit ses spéculations. « Ah, on fait moins la fière maintenant !» Grace tenta de reprendre ses esprits hébétés, mais un second coup plus fort lui emplit la bouche d'un goût métallique. « Alors, dis-nous tout, qu'est-ce qui tourne pas rond dans cette jolie petite tête ?» Joignant le geste à la parole, la plus grande des silhouettes lui tapota gentiment le crâne, ce qui ne fit que redoubler la terreur de Grace. Dans son oreille, elle sentit le souffle de son 3e agresseur. Celui qui la ceinturait toujours, lui écrabouillant littéralement l'estomac. « On fait copain-copain avec les nègres maintenant, hein ?» Grace tremblait de tout son corps. Avec le clan, c'était du sérieux. Elle ne serait pas la première blanche à avoir été lynchée pour trahison. Le plus grand reprit. « Tu te croyais au-dessus des autres? Tu croyais que t'allais pouvoir tranquillement bavasser avec cette salope de Molly Costello? Qu'est-ce que t'as à lui dire, hein? Qu'est-ce que t'as? Tu parles négro maintenant, toi ?» Une 3e claque l'empêcha de trancher entre remords et regrets. Elle sentit les larmes couler le long de ses joues brûlantes. L'homme, qui n'avait pas encore parlé, enfonça la main dans sa poche. Les yeux de Grace se révulsèrent. « Pitié, » implora-t-elle dans sa tête. « Faites que ce ne soit pas un couteau. » Mais l'homme en sortit une boîte qu'il tendit à son acolyte. Après y avoir plongé les doigts, ce dernier expliqua calmement. « Pour quelqu'un qui aime à ce point les nègres, tu es un peu trop clair, Honey. » Il lui montra ses mains, noircies par une pâte épaisse et brillante. Grace vit ses paumes s'approcher de son visage, devenir de plus en plus grosse, comme dans un film au ralenti. Puis elle sentit le contact du cirage sur ses joues, qui la fit exploser en sanglots. Elle ferma les yeux, hoquetant. L'homme passait et repassait fermement sur sa peau. L'odeur de térébenthine lui emplissait les sinus, se mêlait au sel de ses larmes. Quand enfin il eut terminé, l'homme se recula, satisfait. « Eh, voilà qui est mieux, vous trouvez pas les gars ?» Ses complices hochèrent vigoureusement la tête. Celui qui la ceinturait ajouta « Au niveau des cheveux, c'est pas encore ça !» Grace vit l'éclair d'une lame passer sous la lumière de la torche et comprit immédiatement ce qui allait se passer. Sous le bâillon, elle tenta de crier. Le joli petit chuchotement des lames qui s'ouvrent et se referment lui parut d'une violence inouïe. Les mèches blondes commencèrent à tomber sur le sol, aussi légères que des plumes.
Parfait, une vraie négresse. Après quelques secondes suspendues dans le temps, il ajouta « Et tu sais ce qu'on leur fait, nous, aux négresses ?» Grace avait redouté cet instant depuis le moment où elle avait senti ses bras qui l'emprisonnaient. Ça y est, ça arrivait. C'était à elle que ça arrivait. Ce serait l'une de ces victimes dont on parlerait dans les journaux, de celles qui ne paraissaient exister que dans un monde parallèle. Quand elle vit la main de l'homme défaire le bouton de son pantalon, elle tenta de quitter son corps et de s'envoler au-dessus de cette ruelle qui allait faire disparaître à jamais la Grace Anderson qu'elle avait été. Alors qu'elle avait les yeux fermés, la voix de Sherwood la fit sursauter. « Hey !» Elle ouvrit immédiatement les yeux, ce qui lui fit mal. Le cirage la brûlait. Est-ce qu'elle rêvait? Est-ce qu'il était venu la sauver? Tout son mépris s'envola en une fraction de seconde. Elle ne pensait qu'à la possibilité d'en réchapper. Grace se força à ouvrir encore plus grand les yeux et tourna la tête en direction de la rue. Tout son espoir retomba. Il n'y avait personne. « Hé, ça, c'était pas prévu! Laisse-la, c'est bon !» Le sang de Grace se glaça. La voix de Sherwood ne venait pas de la rue, mais de derrière. Le masque de l'un des agresseurs, celui qui n'avait pas encore parlé. La voix répéta « Laisse-la, elle a eu son compte !» Pas de doute, c'était bien lui, le Sherwood qui, il y a quelques mois de cela, l'idolâtrait comme une petite déesse. « Tu rigoles? Maintenant qu'elle est là ?» Sherwood se mit à crier « Putain, mais laisse-la, je te dis !» Le corps de Grace était parcouru de soubresauts violents qu'elle ne pouvait plus contrôler. Son sort semblait suspendu entre les deux hommes. Elle chercha à croiser les yeux de Sherwood. Il ne pouvait pas laisser faire ça. Plus tard, une quatrième voix se mit à résonner. « Putain, qu'est-ce qui se passe ici? Robbie, va appeler les flics !» Tous se retournèrent en même temps. Grace reconnut Robert Delaway, un étudiant de dernière année. À côté de lui, celui qui avait parlé, un autre étudiant qu'elle ne connaissait pas. Sherwood et ses complices détalèrent dans la ruelle. Robert Dunaway ôta le scotch de la bouche de Grace qui vomit à ses pieds.